C'est que c'est un amateur de la compétition. Le concours, les concours culinaires, c'est une grande tradition dans ce métier. Il y a beaucoup de concours, ils sont disciplinés. C'est vrai que c'est, ça fait partie des traditions de la cuisine. Il n'y a pas Top Chef, il y a beaucoup d'autres, et Bocuse d'Or, et quantité d'autres. Et c'est vrai que dès qu'on parle d'une épreuve, dès qu'on parle de compétition, j'ai mon Philippe qui s'anime. Et c'est vrai que le début de Top Chef, à chaque fois, pour toi Philippe, c'est toujours un moment parce que la compétition culinaire, c'est ça, et pas que culinaire d'ailleurs. Et bien sûr, et puis c'est assumé. L'objectif, c'est de gagner. C'est vrai que je tiens un discours un peu différent de mes collègues qui disent oui, non, on fait ça pour s'amuser, machin, ce qu'ils ne pensent absolument pas. Sauf que moi, je le dis. Moi, je viens pour gagner, pour faire gagner en tout cas ma brigade. Et c'est un vrai plaisir finalement de partager cet esprit aussi de compétition qu'on peut avoir parce que finalement, la compétition, on l'a toute la vie aussi. Je crois que la vie est une compétition en règle générale quand on veut atteindre des objectifs, quand on veut réussir. Et c'est vrai que de pouvoir passer cet état d'esprit et cette motivation au travers des jeunes, je crois que c'est encore plus stimulant. Ça fait partie aussi de la formation qu'on peut donner, de la transmission qu'on donne aussi. Elle peut être dans notre métier, cette transmission, mais aussi dans l'esprit de compétition et dans le mental. Parce que du mental, dans Top Chef, il en faut beaucoup. Voilà. Oui, Philippe dit qu'on n'est pas des compétiteurs. Je crois que ce n'est pas vrai. On a envie de t'écraser, hein, clairement. Hein. On essaie de le faire, on n'y arrive pas pour l'instant. Mais ça va arriver. Sois patient. Ça va arriver. Non, non, d'accord. Hein. Je ne parle pas trop fort pour le chien. On est d'accord. Donc voilà, non, effectivement, on rentre dans la compétition parce que c'est une compétition qui peut changer aussi, je dirais, la vie de nos candidats. Donc c'est une récréation, mais une récréation avec beaucoup de... animée en tout cas par l'envie de gagner et d'en découdre. Donc il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Ça reste un concours, je crois, de haute volée. Et donc on se donne à fond pour amener nos candidats le plus loin possible. Donc fais attention à toi, Philippe. Effectivement, ces dégustations sont toujours merveilleuses. Parfois elles sont limpides, parfois elles sont mystérieuses. Et c'est ça qu'on aime bien. J'ai préféré. Qui lui, alors maintenant, est complètement intégré dans cette compétition. À chaque fois, tu fais des milliers de kilomètres pour venir depuis Shanghai, mais tu es toujours impatient de commencer. Bien sûr, moi, je suis toujours impatient de commencer parce que d'abord, c'est pour moi, du coup, une vraie parenthèse de faire un Top Chef. Et chaque année, j'attends ce moment parce que d'abord, on se retrouve tous et que toutes les saisons sont différentes avec des candidats extraordinaires. Et je confirme qu'on est tous compétiteurs, on l'affiche d'une façon très différente. Et par contre, des concepts dont tu parles, qui sont tous très clairs quand je les explique, c'est le montage qui fait quelquefois que ça n'est pas très clair. Alors, jusqu'à présent, vous... Merci M6, merci toute l'équipe aussi, merci de m'avoir welcome pour l'équipe, c'était super. Non, c'était super intéressant. Les deux saisons que j'ai fait avec vous, les deux émissions. Bon, moi, je suis basée aux États-Unis et j'ai fait Top Chef aux États-Unis. Le Top Chef en France, c'est d'un nouveau beaucoup plus grand. Et les candidats, même les chefs. Donc, non, c'était un plaisir de venir ici et d'être ici pour la jeunesse et d'être le pont pour le futur. La compétition, oui, mais pour moi, la compétition, c'est d'aider tout le monde à être les meilleurs, à se trouver. Pas seulement nos candidats ou nos candidates, mais aussi, si on n'en a plus, c'est d'essayer de pousser aussi les autres. Donc, c'était super, super expérience. Hélène, super copine. Stéphanie, super copine. Glenn, je ne le connais pas du tout. Moi, je vis entre Dunkerque et Saint-Brieuc. Ouais, mais bon. Non, mais vraiment, j'étais accueillie à bras ouverts, donc merci beaucoup. J'ai beaucoup appris avec Philippe. Normalement du jury, mais merci M6 à Studio 89, tout le jury qui m'a accueillie. Évidemment, alors je suis passée de jeune candidate, effectivement, j'ai bien compris que je n'étais plus Stéphane, et je suis passée dans un autre registre. L'équipe va bien, c'est un plaisir de revenir. Oui, Top Chef a changé ma vie.
J'espère que ça va changer la vie de tous ces merveilleux candidats qu'on a eus sur cette saison, parce qu'elle est extraordinaire. Et moi, je suis revenue parce que, effectivement, Top Chef fait partie de moi. C'était aussi une façon pour moi d'aller au bout de mon histoire avec Top Chef, de boucler la boucle et de revenir bah, finalement faire un passage d'expérience, un passage de relais à cette jeune génération qui est brillante. On a été confronté, enfin, pas confronté, on a eu le plaisir d'accompagner une génération assez brillante, un casting de haute volée. Un accueil parmi les chefs extraordinaire, on s'est beaucoup amusé, on a pris beaucoup de plaisir tous ensemble et avec les candidats. Donc moi je me suis éclatée sur cette saison et j'espère que les téléspectateurs s'éclateront à la regarder. Pour, dès le Prime 1, il fallait un autre chef et puis il fallait quand même qu'on déstabilise un peu nos 6 membres du jury et nos 15 étoiles. Donc comme vous faites le compte, c'était compliqué, on a trouvé. Je vous demande d'accueillir, il est là. Le chef de la brigade cachée. Ouais, voilà, alors, avec François-Régis Gaudry, qui va déguster les assiettes avec lui, et bien Pierre Gagnaire va tout au long de cette saison Top Chef accompagner. Chef Renavet. Bah, oui. Accompagné. Ah, je vais me mettre là, je vais m'approcher. Voilà. Voilà. Alors. Moi, je ne sais pas faire, moi, je suis pas mal à délai, moi. vous savez, si vous aimez l'émission, Pierre est déjà venu souvent en chef invité prestigieux. Il adore le programme, je le sais. Mais entre chef invité, une fois, et chef membre du jury, c'est un autre travail, Pierre. Oui, parce qu'on rentre beaucoup plus réellement dans l'intimité des candidats. Et c'est vrai que je me suis attaché à tous ces gens, à ces caractères. Les images sont parlantes. Hein. Il y a des scènes absolument drôles, il y a des gens formidables. Comme tout le monde, j'étais très sceptique il y a 15 ans de cette histoire de Top Chef. Et puis c'est vrai que c'est très bien fait, c'est très professionnel, c'est très honnête. Ça, je tiens à le dire, parce qu'il n'y a pas de triche, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de... C'est vraiment honnête. Comme tout concours, effectivement, il y a parfois des dérapages, et ben, les gens ne sont pas au rendez-vous. Mais c'est ça, hein, un examen. Et puis tous ces gens, ben, je les aime, je les apprécie. M. Rothenberg fait très bien son boulot. Voilà, donc c'est du bonheur. Voilà. C'est ici, au château de Ferrières, en Seine-et-Marne, que va débuter la 15e cohésion. La fraternité. Trois hommes, un cerveau. La réflexion. On les appelle les Boys Club, hein, sont un petit peu gaulants. Oui. Énervant. Mais on ne se laisse pas déstabiliser pour autant quand même, on déroule notre partition. Quand les chiens aboient trop, ils perdent leur voix à un moment.